Ne bouge pas, Emily. Prête? Bien sûr que oui. C'est l'endroit idéal. C'est superbe. C'était une excellente idée. Et maintenant? J'ai une longueur d'avance sur toi. J'ai pensé qu'on pourrait jouer aux cartes. Oh, super. Ouh. Regarde ça. Simple et droit au but. À toi de jouer. Je suis pleine d'espoir. Il faut un cœur. Je pense qu'il devrait être rouge. J'ai ma colle. J'en mets un peu sur la carte. Ensuite, je peux y coller le cœur. Je m'assure qu'il soit bien collé. Nous avons une chaîne de production en cours. Une seconde. Comment ça se présente? C'est mignon, hein? C'est le reste des cartes? Oui, oui. Je ferais mieux de me mettre au travail. Ça ne devrait pas prendre longtemps. On colle et on recolle. En fait, c'est amusant. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y en a plein d'autres. Tu plaisantes? Oh. Séparons-les. Ça ira plus vite. Voilà. Merci beaucoup. On doit faire vite. L'amour n'attend pas. C'est parti. Un peu de colle et un cœur. Ça devient ennuyeux. Il y en a tellement. Oh, c'est un travail difficile. Continue à les préparer, Emily. Comment ça se passe? Pas terrible. Idem. Je commence à penser que c'était une mauvaise idée. Il faut qu'on termine. Oh, on est obligé. Attends, je sais ce qu'il faut faire. J'ai besoin de ce récipient. J'y place une éponge. J'applique de la colle sur l'éponge. Je vais aller d'un bout à l'autre. Ensuite, je peux remettre le couvercle en place. Maintenant, je vais le secouer. Ça devrait suffire. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je vais presser un cœur sur l'éponge. Et je le colle sur la carte. Ouh! Regarde! Tu es un génie. Je veux essayer. Wow, c'est beaucoup mieux. Ça ne prendra pas longtemps. Tu nous as épargné des heures de travail, Emily. On a presque terminé. C'est le dernier. On a réussi. Et les cartes sont toutes superbes. Tape-moi 5. J'aime les fins heureuses. Fais geler de l'eau au fond d'un verre. Retiens le glaçon. À présent, prends ton matériel de peinture. L'heure est à la créativité. Peins le glaçon directement. Tu peux bien sûr utiliser différentes couleurs. La peinture va s'étaler d'elle-même à mesure que le glaçon fond. Les couleurs vont commencer à se mélanger. Continue à ajouter de la peinture. C'est très relaxant, tu verras. Et les effets sont très sympas. Finalement, le résultat est assez plaisant. Bon, je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Hein? Pourquoi mon stylo ne marche pas? Il n'y a plus d'encre. Toujours au bon moment. Bon, tant pis. Hé, Sophia? Tout va bien, Luna? Mon stylo ne marche plus. Tu pourrais m'en prêter un? Bien sûr, je crois que j'en ai un autre. Il doit être là, quelque part. Non, ce n'est pas ça. Attends. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh là! Il y a tout un tas de trucs là-dedans. Il faudrait vraiment que je fasse un peu d'ordre. Attends, j'ai une idée! Je sais exactement comment mettre de l'ordre dans mes affaires. D'abord, je vais placer un élastique autour de ma pochette. Je vais en mettre quelques autres. Comme ça, je peux ranger toutes mes affaires dans les élastiques. Et je peux même en mettre à l'intérieur. Comme ça, tout est au même endroit. C'est plus facile de s'y retrouver. Pas mal, non? Et voilà ton stylo! Hein? Quoi? Ah oui! Merci! C'est génial! Je faisais un si beau rêve! Cette évaluation est trop nulle! Ah bon? Moi, je l'aime bien! C'est parce que tu es une intello! Et si on s'amusait un peu? Hé! Cesse de faire l'enfant! Oh, j'adore cet exercice!
Oh, au secours, sortez-moi de là! Eh mais, attends une minute! Hé! Oh, quoi encore? Regarde ça! Je vais frotter mon stylo sur ma manche et faire tourner le bouchon autour. Alors impressionnant, n'est-ce pas? Waouh, c'est de la magie! Je peux essayer? Il me dirait que ça n'a pas marché. Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Peut-être qu'en frottant un peu plus. C'est parti! Non, je n'y arrive pas! Ah, je sais! Réfléchissons, comment ça peut marcher? Mince, j'allais oublier la gravité. Avec la rotation de la Terre, ça nous donne... C'est bon, je sais! Retentons l'expérience. Ce n'est pas magique du tout. Nya nya nya. Oh, silence dans la classe! Désolée! Oups, grillé! Sophia, je te vois, tu sais. Oui, je fais mon exercice. C'est la dernière fois que je vous le dis. Hein? Où est passé mon stylo? Je ne suis pas partie pour avoir une bonne note, on dirait. Enfin, rentrée. Quelle journée! Le temps est maussade. Je ferais mieux de ranger ce parapluie. Oh non! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Oh, heureusement que j'ai une lampe torche. Voyons d'où vient le problème. Oh oh! Ce n'est pas bon! Il vaudrait mieux pas que ça se reproduise. Mais comment faire? Peut-être que cette bouteille en plastique pourrait être utile. Il est temps de se mettre au travail. Pour cette astuce, il faut une bouteille en plastique vide. Et c'est parti! Découpe les deux extrémités de la bouteille. Répète l'opération avec une deuxième bouteille. Mets les bouteilles l'une dans l'autre. Puis place encore une bouteille plus petite à l'intérieur des deux autres. C'est parfait pour les jours pluvieux. Oh, salut Sophia. Salut, tu as vu ce temps? Il pleut des cordes. Non, attends. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Utilise ça plutôt. Place le parapluie à l'intérieur des bouteilles. Ça évite qu'il y ait de l'eau partout. Comme ça, l'eau s'écoule au fond de la bouteille. Et voilà! Waouh! C'est super pratique! Attention! Oups! Désolée! Bon, je retourne chercher la lampe. Waouh! Ce cours est fascinant! Vous voyez, les enfants, c'est très simple. C'est clair! Oh non, voilà Wendy! Ça va, l'intello? J'arrive pas à croire qu'on doive s'asseoir à côté. Comme tu dis, ouvrez vos livres à la page 14. Oh, je déteste ce cours. Tiens, je crois que c'est l'heure du goûter. Miam, j'adore le chocolat. Je vais me régaler. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu n'as pas le droit de manger en classe. J'ai faim. Miam, c'est trop bon. J'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle mange du chocolat. Attendez, je sais ce que j'ai vu. Vous devriez la surveiller, elle est maligne. Ce n'est pas drôle, Wendy. Trop bizarre. Peut-être que j'ai rêvé. C'est maintenant ou jamais. J'ai bien fait d'en garder un peu. J'y crois pas. Tu te fiches de moi? Elles ont l'air bonnes. Un vrai régal. C'est n'importe quoi. Vous avez vu ça? Qu'y a-t-il encore? Elle... Mais... Elle était en train... Quoi? C'est quoi ce délire? Je suis très déçue, Wendy. Cesse de m'interrompre. Je suis d'accord. Allez-y, continuez. Moi, je vais me faire un sandwich. Est-ce qu'elle vient juste de dire que... Hein? Comment elle fait ça? Je comprends pas. Et puis zut, si Mindy a le droit. Je vois pas pourquoi je ne mangerai pas un bout, moi aussi. Je savais bien qu'il me restait un chocolat. Parfait. Je peux savoir ce que tu fais? Pas de nourriture en classe. C'est juste un chocolat, Mindy et... Bon, c'est la dernière fois que je le répète. Arrête de perturber la classe. C'est pas juste! Je comprends pas comment tu fais ça! Chut, j'essaye d'étudier. Je m'en vais. C'est pas vrai! J'aime les smoothies bien frais. Quoi? C'est une grosse blague! C'est pas juste! Oh, respire à fond. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais attendre. Ah, oh, ça rafraîchit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le cours est terminé. Je ferai bien de ranger mes affaires. C'est l'heure. Je me demande ce qu'on mange à midi.
j'ai super faim. La voilà. Que le spectacle commence. Miam, c'est pile ce qu'il me faut. Pas si vite. Qu'est-ce que tu fabriques? Comment tu fais pour t'en tirer aussi bien? Sérieux, t'avais plein de nourriture. Ça suffit. D'accord, je m'attendais pas à ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tiens-moi ça et enfile mes lunettes. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça devrait le faire. Je vais reprendre ça. Ce sera parfait. Ne bouge pas. Bien, suis-moi. Assieds-toi. T'es sûre de ton coup? Fais-moi confiance, ça va marcher. On dirait des boutons. Sauf que ceux-là sont comestibles. Miam, j'ai hâte de les manger. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Je savais que ça te plairait. Tu vois, finalement, c'est pas si mal d'être assise à côté de moi. Attention, la prof nous regarde. On peut commencer. Merci, Mindy, t'es la meilleure. C'est l'heure du goûter. Il y a tant d'options. 50 centimes? Et quoi dire de ces deux-là? Je sais pas. Oh, regardez-moi cette beauté. Tant de crème. C'est ça que je veux. Waouh! Tu rentres à la maison avec moi. Hein? Pourquoi? Dans tes rêves, Matthew. Tu m'as entendu? Bouge! Bon sang! Quoi, Plume? Non! Wow! Je suis en colère maintenant. Je sais. Enfin. Matt, salut! Je vais te faire payer pour ça. J'ai pas encore fini. J'espère que tu te sens bien là-dedans parce que les choses vont se resserrer. Quand il s'agit de dessert, je dois faire le nécessaire. À bientôt. Oh, ma jambe me démange. Oh, j'arrive pas à croire que nous sommes de nouveau lundi. Ouais. Il fait si froid ici. Oui, c'est vrai. J'espère qu'il n'y a pas de test aujourd'hui. Oui, idem. De toute façon, je n'étudie pas. Ok, la classe, c'est l'heure du test. Évidemment. T'as ce qu'il faut? Tu parles de ça? Tu veux savoir comment j'ai fait? Tout d'abord, tu mets les ongles. Et une fois qu'ils sont bien accrochés, tu colles dessus du papier qui est exactement de la même taille. Simple comme bonjour. J'ai là toutes les réponses. C'est super! Où sont les tiennes? Tu les regardes. Hein? Mon soda, bien sûr. Tadam! Les voilà. Astucieux, hein? C'est aussi très facile à faire. Il suffit de mettre la bouteille à l'envers et d'écrire les réponses ici. Puis de la retourner. Wow. C'est génial! Je sais. Prêt? Oh oui! Je suis née prêt. Waouh! Il est temps de retourner ma bouteille. Les voilà. Je pense que c'est le moment. Bonjour, chers amis. Attendez une seconde. Et le temps est écoulé. Bon travail, la classe. Quelle note j'ai obtenue? Et moi? Génial! Nous avons réussi! Wouhou! Ouf! J'arrive enfin au bar. Un coca, s'il vous plaît. Salut, toi. Tiens, un coca pour toi. C'est mon coca. T'inquiète, je vais te l'ouvrir. Une seconde, je vais y arriver. Il me résiste. C'est bon. Je crois que ça suffit. J'ai ma propre méthode, merci. Quoi? Tu te sers d'un recourbe-cils?
absinthe et... Ah, ça rafraîchit. Passe une bonne soirée. Éclipsé par un recourbe cil. Oh non, encore une heure de colle. Allez, vous savez comment ça marche. Vous me copiez ça 500 fois. Oh, ça va prendre la journée. 500 fois, c'est vraiment trop. Je ne... sécherai... plus... Oh, aïe, 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 j'ai déjà une crampe à la main. Je serai encore ici demain à ce rythme. Oh, je me souviens de ma jeunesse. Est-ce que ça suffit? Non, j'en suis encore très loin. Il doit bien y avoir une solution. Tiens, j'ai une idée. La solution était juste devant mes yeux. Je vais coller tous ces stylos ensemble. Oui, comme ça. Mieux vaut aussi en mettre de l'autre côté. Il faut qu'ils tiennent bien ensemble. Et voilà, c'est prêt. Allons-y. Je ne sécherai plus. Hey, ça marche. Je peux écrire 4 lignes en même temps. Je suis un vrai génie. Une super invention. C'est incroyable comme je suis allé vite. Voilà, mes 500 lignes sont prêtes. D'où Jésus, vous avez fait vite. Attendez une seconde, j'en ai oublié. Voilà la suite. Oh, tu as visiblement appris la leçon. Un bon garçon. Ça fait très plaisir. Bon, je n'ai plus qu'à compter tout ça. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Il s'est dépassé. 5000. J'adore cette chanson. Oh ouais, ok. Je vais monter un peu le volume pendant que je cuisine. Voyons ce que nous avons. Le frigo est presque vide. Et tout ce qui reste, c'est ce vieux cheeseburger. Mais peut-être que je peux faire quelque chose. Non, il est carrément rassis. À la poubelle. Tiens, je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais verser de l'eau dans ce bol et je fais tremper le cheeseburger. Voilà, je le remets sur l'assiette et je le passe au micro-ondes. C'est prêt. Et en plus, ça sent bon. Il va avoir soif aussi. Salut, je suis rentré. Waouh, merci de m'avoir préparé à manger. Moi, ça a l'air vraiment bon. C'est délicieux. Merci. Ouf, je suis bien contente que ça ait marché. Mon chef-d'œuvre est presque terminé. Ah, ils vont l'accrocher dans un musée. Attendez, c'est le dessin de Justin. Il est bien meilleur que le mien. Peut-être que si je louche, il aura l'air mieux. De qui je me moque? Il est affreux. Oh, je reviens tout de suite. Je dois mettre ces copeaux à la poubelle. J'aimerais pouvoir produire quelque chose comme ça. Attendez une seconde. Peut-être que je peux. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ce film plastique. Je le pose sur le dessin. Je dessine ensuite par-dessus. Il ne me reste plus qu'à tracer le contour. C'est si simple. Je suis un génie. Je suis presque sûre que tous les grands artistes font ça. C'est pas copier, c'est s'inspirer. Maintenant, je vais enlever le film plastique et le placer sur une feuille blanche. Je vais utiliser un rouleau à pâtisserie pour transférer l'encre. Tadam ! Ça a l'air génial ! Regarde ce que j'ai fait, Justin ! Magnifique ! Il ressemble au mien ! C'est incroyable ! Les grands esprits se rencontrent, hein ? Nous sommes si talentueux ! Top là, mon pote ! Oh ouais, c'est pour ça qu'on est meilleurs amis. Ce devoir est difficile. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien à tout ça. Ça n'a aucun sens. Oh non, les formules, elles se multiplient. Laissez-moi tranquille. Tu as échoué, Justin. Et ça me rend heureux.
pourquoi tout ce bruit? Oh, ça va laisser une bosse. Est-ce que la pièce tourne? Non, c'est probablement une commotion cérébrale. Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? Pourquoi la physique doit-elle être si difficile? Je comprends rien du tout. Je vais rater le cours. Aïe, ma tête. Donne-moi une seconde, jeune homme. Je dois me mettre un pansement. Oh, c'est une mauvaise blessure. Je dois être plus prudent. Ah, là, ça va mieux. Quoi? Tu trouves ça plus important, papa? Je peux pas avoir un F. Il suffit d'étudier. J'essaye, mais j'arrête pas de tout oublier. Attends, je l'ai. C'est l'attitude à adopter, Justin. Hein? Je parle des pansements. Je vais les prendre. Ils vont résoudre tous mes problèmes. Au revoir, F. J'enlève la protection du pansement. Et j'ai toutes mes formules sur cette feuille de papier. Je la place au centre du pansement. Et j'aurai toujours les réponses à portée de main. Je vais réussir cet examen. Oh, je souffre tellement. Oh, que t'est-il arrivé? C'est encore si pénible que je veux pas en parler. Tu vas tout de même devoir passer ton contrôle. Bien sûr, je l'attends avec impatience. Bonne chance, t'en auras besoin. Je sais ce que tu penses. Je vais enlever ce pansement. Et j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Allez, c'est plutôt intelligent, non? Je croyais que c'était un cours d'art. Pourquoi j'ai pas étudié davantage? Je passerai jamais! Attendez une seconde, le professeur est distrait. C'est l'occasion ou jamais! Je dois juste être très subtile. Que ferais-je sans mon téléphone? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Cela devrait vous donner la réponse. Une fois que vous avez fait cela, que se passe-t-il là-bas? Est-ce que c'est un téléphone? Rien ne peut plus m'arrêter. Tu penses? Vous êtes là depuis longtemps? Assez longtemps. Donne-moi le téléphone. Tu me déçois, Alex. Maintenant, termine ton contrôle. Incroyable. Oui, oui, peu importe. Il a peut-être pris mon téléphone, mais au moins, il n'a pas pris mon goûter. Ces chips contiennent un ingrédient spécial. Les réponses. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que je vais pouvoir manger les chips plus tard. Tu te moques de moi? J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Ce n'est probablement rien. Des chips, pour moi? Tu n'aurais pas dû. Pas encore. Il n'y a qu'une seule solution. Tu l'as mérité. Oh, ça fait du bien. Maintenant, sors d'ici. Vous êtes méchant. Oh, tu vas pleurer. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qui s'est passé, jeune homme? J'ai eu un F, papa. J'ai fait de mon mieux. Ne t'énerve pas. Attends. Je crois que je sais comment résoudre ce problème. Tout d'abord, je dois retirer la poignée de ma loupe. Ensuite, j'aurai besoin d'un tube de carton. Je le place au-dessus de l'objectif. Je le maintiens en place avec de la colle. Je ferai le tour du bord avec mon pistolet à colle. Ensuite, j'aurai besoin de ce ruban rouge. Je l'enroule autour de l'objectif. Je veux qu'il soit beau. Voilà, Alex, ça résoudra tous tes problèmes. Mais qu'est-ce que c'est? Mets-le à hauteur de ton œil. Je reviens tout de suite. Attends. Regarde ça! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai compris! Je vois les réponses! C'est incroyable! Ok, c'est l'heure du contrôle. J'ai fait en sorte que celui-ci soit diaboliquement difficile. Je suis assez confiant. C'est ce qu'ils disent tous. Tu peux commencer. Je sais que tu vas échouer. Je ne m'attendais à rien de moins. Allez, papa! Où es-tu? Non, c'est un arbre. Je savais que ce déguisement fonctionnerait. Alex, par ici! Parfait! Je savais que tu me laisserais pas tomber. Merci, papa! Hein? Tu as dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose qui cloche ici. Je dois enquêter. Jusqu'à présent, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, je ne sais pas de quoi vous parler. Allez-y, jetez un coup d'œil. Eh bien, c'est ce que je compte faire. Il y a un travailleur étrange là-bas. Attention, je dois agir naturellement. Tout semble en ordre. Je t'ai peut-être mal jugé, Alex. Pfiou, je l'ai échappé belle. Eh bien, je suis fatigué. Ce bain va m'aider à me sentir mieux. Mais je ferais mieux de me brosser les cheveux. Ils risquent de s'en mêler dans l'eau. Parfait. À mon bain. Mais qu'est-ce que... Oh non! Où est passée toute mon eau chaude?
Non, le bouchon laisse passer l'eau. Mais d'où il vient, ce trou? Comment je suis censé prendre mon bain maintenant? Tout est fichu. Super, j'ai gonflé un ballon. Tiens, un ballon. Oh, merci, il est joli. Mais je crois que ça va me sauver. Merci. Oh, elle est partie avec mon ballon. Heureusement que j'en ai encore. Allez, au travail. Je dois couper le bout de cette seringue. Ensuite, place au ballon. Je dois l'enrouler comme ça. Parfait, maintenant je prends le bout que j'ai coupé et je l'attache au ballon. Il faut mettre de la colle dans le ballon. Beaucoup de colle, faut pas lésiner. Une fois que ça a séché, je peux retirer le bout de plastique. Il faut l'enlever en douceur et je n'ai plus qu'à faire un nœud au ballon. Super, mon nouveau bouchon est prêt. Excellent, l'eau va rester dans la baignoire avec ça. Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait. Super relaxant. Ce slime est super amusant. Bon, je vais mettre un peu de fond de teint. Parfait, je n'ai plus qu'à me brosser les cheveux. Super, je suis toute belle. Oh, salut, Jaisker. Viens par là, mon mignon. Je vais te faire un câlin. Oh, comme tu es doux, mon chaton. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Hé, hey, qu'est-ce que tu veux? Ah, je vois, tu es enfin prête. T'es sûr que tu veux sortir comme ça? Oh non, ne regarde pas, c'est horrible. Mais que vois-je? Le slime a complètement nettoyé mon t-shirt. Oui. Je crois que j'ai une petite idée. Je n'ai qu'à le tamponner sur mon t-shirt et ça va enlever tous les poils et le maquillage. Parfait! Le slime est vraiment une super invention. Hé, hey, c'est beaucoup mieux qu'avant! Allez, on y va! Est-ce que quelqu'un regarde? Non? Ok. Excellent! J'ai une photo du téléphone. Va faire un tour, vieil étui. J'ai imprimé la photo que j'ai faite, maintenant je vais la couper. Ensuite, un peu de colle, bien sûr. Il faut recouvrir tout le dos de la photo, voilà comme ça. Maintenant, je la colle avant que ça sèche. Je fais attention de bien l'aligner. Super, ça a marché. Maintenant, on dirait que les deux côtés sont l'avant du téléphone. Salut. Waouh, regarde ton téléphone. Plutôt impressionnant, hein, pas vrai? C'est super cool. Je suis jalouse. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Matthew? Tu connais le règlement, donne-moi ça. Hé, hey, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste un bout de papier. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes dingues. Eh ouais, complètement dingue. Et tu t'étais donné tant de mal. Un autre jour, un autre dollar. Je ne peux pas laisser entrer n'importe qui en classe. Ne bougez pas. Vous savez qui je suis, non? Attendez que papa la prenne. Il ne sera pas content. D'accord. Thank you. Ah, ce n'est que de la petite monnaie. Je vais juste la laisser là. Ah, les enfants de riches. Cette agente de sécurité est effrayante. Elle me rend si nerveuse. Ok, c'est parti. Je suis capable de m'en sortir. Il faut juste agir de manière naturelle. Ne bougez plus. Est-ce que cette chose est sûre? Je savais que c'est ce qui allait arriver. Non, vous ne pouvez pas entrer. Sortez d'ici, vous êtes pauvre. Vous n'avez pas besoin d'être aussi méchante, hein? Qu'est-ce que... Oh! Aïe, ça fait vraiment mal. Sur quoi j'ai atterri? Hein? Ce sont des diamants? Waouh, ce sont des diamants! Vous avez remarqué quelque chose de différent chez moi? Peut-être un peu de brillance. Alors, je peux entrer maintenant? Je laisse le scanner décider. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Hein? Il dit riche? Je ne comprends pas. Mais le scanner ne ment pas, alors vous pouvez y aller. Vraiment? Je veux dire, évidemment. Je ferai mieux de me préparer pour le cours. J'ai besoin de mes livres. Je me demande ce que nous allons apprendre aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant.
Je suis content d'être à l'heure. Le jet a dû s'arrêter pour faire le plein. Est-ce qu'on peut en finir avec ça? J'ai des réservations pour le dîner. Waouh, quel beau cahier! Je sais, il est assez spécial. Mais attends de voir celui-là. Non, c'est pas possible! Jette un coup d'œil à mon téléphone. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je veux le toucher. Oh non, tu ne feras pas ça. Plutôt cool, hein? Je me sens d'humeur cupcake. Je vais l'ajouter sur mon cahier. Il a l'air incroyable. C'est normal d'être jalouse. Mon cahier est si ennuyeux. J'ai jamais pu avoir de belles choses. Oh, la vie est tellement injuste. Attendez une seconde. Je sais ce que je dois faire. Je commence par découper ces images. Ça me donne faim. Ok, c'est la dernière. Mais il y a encore du travail à faire. Je savais que j'aurais dû suivre la recette. Je me rapproche. Ne fais pas attention à moi. J'ai juste besoin de trouver la bonne chose. Ah ah, c'est ce que je cherche. Non, pas le croissant. J'ai besoin de ce papier sulfurisé. Je dois rester calme et agir doucement. Je ne peux pas le laisser me voir. C'est le crime parfait. Un peu plus loin. J'ai découpé le papier sulfurisé en carré. Maintenant, je place les dessins dessus. Ensuite, je les recouvre de rubans adhésifs. Je veux que la surface soit lisse. Je ne veux pas avoir de plis. Maintenant, je vais les découper. Je vais prendre mon temps. Je dois suivre les grandes lignes externes. Ça a l'air bien. Je peux maintenant décoller le papier sulfurisé et coller le dessin sur mon cahier. C'est beau! Je ferai de même avec le reste. Waouh! Mon cahier est déjà bien plus beau. Il ne faut pas oublier la pizza. Hé, Alex! Jette un coup d'œil à ça. Quoi? Les couleurs, les images! C'est génial! J'adore! J'espérais que tu dises ça. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Bonjour, je vais prendre un bol de ça. J'ai été à l'école de cuisine par ça. Je sais même pas ce que c'est. Je l'appelle de la verdure. Voilà. C'est un peu gluant. Oh, attends. Prenez votre temps. Dégage de ma louche. À quoi sert le bol? C'est bon. Bon appétit. Regarde ça, de la nourriture gratuite. Il n'est pas question que je mange ça. Je vais commander. Ça a l'air bon. Les grumeaux lui donnent une saveur supplémentaire. Miam, j'ai hâte de goûter. C'est vraiment dégoûtant. Comment est-ce qu'elle peut manger ça? Majordome? Ah, là, ça va mieux. Merci, majordome. Je préfère les choses les plus raffinées de la vie. Et il n'y a rien de mieux que des sushis frais. Ça a l'air délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. Attendez, quel est ce bourdonnement? C'est une mouche! Et c'est sur mes sushis! Qu'est-ce que je dois faire? Mon plat est fichu! Je vais vomir! C'est pas grave, c'est qu'une mouche! Hé, hey Alex, je peux avoir ça? Je t'en prie! J'espère que tu te sentiras mieux. Va-t'en, la mouche. Des sushis, c'est si bon. C'est l'anniversaire de Wendy aujourd'hui. Oh, la voilà. Salut, Mindy. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Joyeux anniversaire. Ça, c'est pour... Oh, il faut qu'on aille en cours. T'as regardé le film hier? Attends-moi. Et après, ils sont entrés dans la maison hantée. Qui ferait un truc pareil? Je vais les glisser dans le sac de Wendy. Ça faisait super peur, j'en ai fait des cauchemars. Installez-vous, les filles. On a plein de choses à voir. Allez, c'est parti. Wendy, qu'est-ce qu'il y a? Regarde dans ton sac. Mon sac? Pourquoi? Regarde, tu vas voir. Regarde, je te dis, il y a quelque chose dedans. Hein? Sérieusement? Bon, très bien, je vais le faire. Donne-moi ça. Jette un coup d'œil à l'intérieur. Wow! Tu m'as offert un cadeau? Oh, t'aurais pas dû! Merci beaucoup! Je sais que ce sont tes préférés. Je les adore! Est-ce que ce sont des gâteaux? Vous savez que les boissons et la nourriture sont interdits en classe. Donnez-moi ça! Mais c'est un cadeau! On n'a qu'à partager! C'est le pire anniversaire de ma vie! Ne t'en fais pas, ça va aller. Miam, c'est bon! Il faudrait que j'en achète un paquet à l'occasion. Elle les mange juste sous notre nez. Ah, je dois pouvoir faire quelque chose. J'ai toujours une réserve de secours dans mon sac.
Qu'est-ce que tu fais? Chut! Ne fais pas de bruit, regarde. Il me manque un truc. Ce caoutchouc sera parfait. Hein? Je comprends pas! Recule un peu, je vais le cacher sous ta jupe. Et je vais l'accrocher avec l'élastique. Comme ça, il ne tombera pas. Je vais faire ça sur toute la longueur. On croira que ça fait partie de ta jupe. Et voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, c'est génial! La prof n'y verra que du feu. Silence, les filles. Je crois qu'il est l'heure du goûter. Je retire l'élastique. Et je peux manger mon gâteau. Hein? Qu'est-ce que c'était? Je vous ai à l'œil, toutes les deux. J'étais sûre que ça marcherait. Tiens, t'en as mérité un, toi aussi. Oh, merci, ma chérie. Top là, ma chère amie! Ces crayons sont si mignons. Nous avons beaucoup de chance, je sais, mais c'est une question de coordination. Je veux dire qu'ils ont besoin d'être assortis. Je pense que tu dois voir ça. Qu'est-ce que... Peu importe. Hé, Sunny, où est ton crayon? Mon crayon? Ah oui, le voilà. Oh non, ça n'ira pas. Je ne peux pas les laisser voir ça. Il doit être quelque part ici. Donne-moi une seconde. Je dois travailler rapidement. Je l'ai trouvé. Je le perds toujours. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te moques de moi? Est-ce que ma classe est prête? C'est la période des tests. Vous pouvez commencer à échouer. Allez-y. Ouais, j'adore les tests surprises. Ça ne va pas bien se passer. Je ne comprends rien à tout ça. Ouh, j'aime bien cette question. Psst, Madison! Hé, par ici! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Oh, d'accord. Je fais une note rapide. Elle devrait contenir tout ce qu'il te faut. Et je te l'envoie par avion. Sunny, je l'envoie. Vas-y! Oh non! On arrête! Je vais mettre un terme à ça. Mon avis en papier! Ne recommence pas, je ne plaisante pas. Bien sûr, c'est compris. C'est génial, maintenant qu'est-ce que je fais? Peut-être que j'aurai de la chance. Ouais, c'est vrai, je suis désolée, j'ai essayé. Il doit y avoir quelque chose à faire. Attends, le tableau noir? Ouais, je sais quoi faire, j'ai besoin de mon carnet. Je vais lui faire un relooking. Je vais le peindre en noir, mais cette peinture n'est pas ordinaire. C'est celle qu'on utilise pour les tableaux noirs. Je l'utilise pour recouvrir mon carnet de notes. Je veille à ce qu'il soit beau et uniforme. J'ai presque terminé. C'est fait. Maintenant, je le laisse sécher. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Maintenant, je prends un morceau de craie. Je peux écrire la réponse sur la peinture, comme ça. Ensuite, je peux l'effacer. C'est parfait. Il est temps d'aider Sunny. Elle va être stupéfaite. Et je peux faire encore plus de maths. Tout le monde est gagnant. D'accord. Hé, Sunny, regarde ça. Oh, waouh! J'ai presque la réponse. Je le savais. Waouh! Merci, Madison. Tu l'as? C'est bien. Ne bouge pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, pas de tricherie. Je dois effacer la réponse. Je ne peux pas le laisser la voir. Je ne triche pas. Regarde, ce n'est qu'un carnet. Oh, d'accord, je suis désolée. Je dois me faire des idées. Continue ton test. Merci, Madison, t'es la meilleure. Aucun problème. J'ai hâte que ce cours se termine. Je sais, ça traîne. Wouhou, nous avons terminé. C'était vraiment beaucoup de travail. Au revoir, Sunny. Au revoir, à plus tard. Je m'en vais. Quoi, Sunny? Oh non, est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider. Assieds-toi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne suis pas surprise. Attends, tu as glissé sur le stylo. Je ne laisserai pas ça se reproduire. Je vais commencer par découper un morceau de carton comme ça. Ensuite, j'aurai besoin d'un stylo noir. Je vais tracer les bords du carton. Ensuite, je vais compléter les détails. Ce seront deux adorables Kitty. Le résultat sera superbe. D'accord, ça devrait suffire. Je retourne maintenant le carton. Il reste encore une chose à faire. Je colle des aimants sur le carton. Je place un Kitty dans le carnet. Puis, je mets le stylo au milieu. Je peux refermer le carnet. On peut ensuite connecter les aimants. Ce stylo n'ira plus nulle part. Tu en penses quoi, Sunny? Waouh, merci, Madison. C'est exactement ce dont j'ai besoin. On y va. J'adore cette teinte de rouge à lèvres. Chut, j'ai besoin de me concentrer. Bon, ça a l'air bien. Encore une coupe. J'ai réussi.
Maintenant, il me faut de la colle, juste un petit peu. Oh ouais. J'en ai peut-être trop mis. Je me suis laissée emporter. C'est tellement collant. Dégoûtant. Ça fait bizarre. Méchant flacon de colle. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas en parler. Ouh là là, c'est beaucoup de désordre. C'est la quatrième fois aujourd'hui qu'elle fait ça. Je dois l'aider. Et j'ai ce qu'il faut. Ce flacon à rouleau sauvera le jour. Passe-moi la colle. Tu veux ça? Je te préviens, c'est incontrôlable. Je sais ce que je fais. Tout d'abord, je vais vider le flacon. Je peux ensuite y verser la colle. Attention, je ne veux pas en renverser. Je ne veux pas être comme Addison. On nous appellerait les sœurs collantes. D'accord, c'est tout. Maintenant, je peux remettre le couvercle en rouleau sur la bouteille. C'est pour toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je l'utilise? Tu es sûre de ça? Souhaite-moi bonne chance. Waouh! Regarde-moi ça! C'est la quantité de colle parfaite. Je pense que c'est prêt. Kevin va adorer. Oh, un message. Oh, ça vient de qui? Non, impossible. Une fête ce soir? J'ai trop hâte. Molly! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, le professeur. Pas de bavardage pendant l'examen. Je te le dirai plus tard. Chut, silence. Oh, je peux pas attendre. Attendez, je sais. Je peux encore parler de la fête à Molly. Je vais utiliser mon déjeuner. You, il faudra s'en contenter. Eh, c'est quoi le problème? Lis le message dans les trous. Hein? Attends, une fête? Ce soir? À quelle heure? À 7h? Waouh, tu vises bien! Top là! J'ai hâte d'y être! Mince, ce devoir est difficile! Je dois vraiment me concentrer! Mais je sais que je peux le faire! Je prendrai mon temps! Du calme, lentement et doucement! Je dois juste tracer un cercle! Oh, c'est tellement ennuyeux! J'ai une meilleure idée! Je regarderai la télévision à la place! Je pense que je le mérite! C'est plus amusant que les devoirs! J'adore cette émission! Oh, oh, c'est maman! Bonjour, chérie! Attends, qu'est-ce que c'est? Tu as des devoirs? Oh, oui, à propos du... J'éteins la télé! Hé, j'étais en train de la regarder! C'est vraiment injuste! Maman peut être si méchante! Je veux juste m'amuser! Je ne fais jamais ce que je veux! Bon, finissons-en! Stupide devoir! C'est trop difficile! Hein? C'est la boîte à bijoux de maman! Oh, il a l'air joli! Il m'ira à ravir, mais j'ai une meilleure idée. Je peux l'utiliser pour mes devoirs. Je placerai un crayon en bas et un autre en haut. Ensuite, je ferai tourner le bracelet. Waouh, ça marche! Comment ça se passe ici? C'est toi qui as fait ça? Waouh! C'est vrai! C'est bien, ma fille. Tu mérites une récompense. Et voilà! Merci, maman! Plutôt malin, hein? Je m'ennuie tellement. Ça, tu l'as dit. Y a rien à faire ici. Quand est-ce que le cours finit? Ça vient juste de commencer. Ça traîne. J'en peux plus. J'ai besoin d'une sieste. Attends. Hé, hey, Mindy. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Comment je fais ça? Waouh, j'ai toujours su que t'étais une sorcière. Continue. Mon public est captivé. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je plaisante, il est toujours là. C'était trop cool. Ok, à ton tour. J'ai rien répété. Donne-moi une seconde. Je crois que j'ai trouvé. Regarde ça. Je fais chauffer un crayon gras dans une casserole et j'ajoute un peu de cire. Ça permet d'éclaircir la couleur. Ensuite, je les laisserai fondre. Je peux enlever le mélange du feu. Je fais un moule dans un gobelet. Je vais y verser la cire. Je le remplirai jusqu'au bout. Je vais attendre qu'elle prenne. Je peux ensuite l'enlever avec précaution. Elle ressemble à un doigt. Impressionnant, n'est-ce pas? Ok, c'est l'heure du spectacle. Je vais le glisser dans mon gant. Oh, Molly! Ouh, ça va être super! Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde! C'est à couper le souffle! Détends-toi, c'est pas mon vrai doigt! Waouh, tu m'as bien eu! T'es un génie! Je suppose que je le suis. Je me suis bien faite avoir. J'adore cette classe. Ça me donne le temps d'organiser mon emploi du temps. Qu'est-ce que je vais peindre?
L'inspiration a frappé. Je sens la créativité affluer. J'adore ces couleurs. Quelle est la prochaine étape? Ah, je sais. J'ai aucune idée. Ce sera mon meilleur travail à ce jour. Chalalalala. Allez! Choup-doup-doup. Mon esprit est vide. J'ai rien. La 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 la. Pourquoi c'est si difficile? Merci, vous êtes un public merveilleux. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Mindy, tu devrais peindre. Regarde Molly. Ça ne peut pas être si bon que ça. Oh, c'est plutôt impressionnant. Tout vaut mieux qu'une page blanche. Le temps est écoulé, voyons vos chefs-d'œuvre. Ça a été un peu fait à la va-vite, mais je suis contente du résultat. Qu'as-tu fait, Mindy? Oh, qui a ouvert cette fenêtre? Quelle diversion bien pensée! Oh, cette feuille va me tomber dessus! Au secours, au secours! Direction la poubelle. Attendez, je peux l'utiliser, mais je vais devoir faire vite. Je vais poser une feuille de papier par-dessus. Ensuite, je prendrai un crayon. Je vais frotter la feuille. Ça laisse une trace sur le papier. Ça a l'air bien! Mais je n'ai pas terminé, j'ai besoin de mes ciseaux. Je vais commencer à découper. Je découperai le long du contour, je ne veux pas faire d'erreur. Je vais donc y aller doucement, c'est parfait. Regardez ça, la nature m'a inspiré. Waouh, c'est très beau! J'aurais aimé y avoir pensé. Waouh, excellent travail, bravo! J'espère que vous serez bien sage durant le contrôle. Vous pouvez commencer. C'est bon, je connais les réponses. J'en connais aucune. Je peux peut-être faire semblant d'avoir un malaise. Non, c'est bête. Chris? On ne parle pas. Oh, désolé, madame. Hé, Madison. Quoi? Je te donne cette barre de chocolat si tu m'aides. Tu sais que j'adore ça. D'accord. Tiens. Super. J'aurais dû y penser plus tôt. Les réponses. C'est ça que tu cherches? Oui, c'est ce que je cherchais. Hé, si tu veux ça, donne-moi les réponses. Je t'ai déjà aidé, t'es vraiment agaçant. Attrape. Vraiment? Ça va à la poubelle. C'était elle. C'était lui. C'est pas moi. Mais si. Non, quel menteur! J'enseigne à des légumes. Je veux juste lire mon livre. Allez, on réessaye. Hé! Tu veux quoi encore? Tu vois cette barre de chocolat? Et celle-là? Ok, ça marche. Comment on fait? Ah, je sais. J'ai trouvé! Ouvre ton cahier et mets une bande de scotch dans la marge. Répète l'opération sur toute la page. Ensuite, prends une éponge et coupe-la en petits morceaux. Colle un des morceaux sur un surligneur. Et maintenant, tu peux effacer tout ce que tu as écrit. Personne ne saura jamais rien. Hé, tu veux les réponses? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Et voilà. Super, merci. J'aurais jamais trouvé tout seul. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Oh, rien du tout, madame. Vous voyez? Je crois que j'ai des visions. On l'a échappé belle. Hé, donne-moi le chocolat maintenant. Un plaisir de faire affaire avec toi. Super entraînement, les gars. Ah, c'est bien mieux. Attends, fallait que j'apporte un cahier. Voilà. J'ai besoin de ce truc qu'on utilise pour écrire. Un stylo? C'est ça. Non, rien là-dessous. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, l'intello! Allô? Moi? Ouais, je peux t'emprunter un stylo? Ok, je crois que j'en ai plusieurs. Celui-là. Super, merci. Oh non, il est cassé! Hé, l'intello, ce stylo ne marche pas. Je peux en avoir un autre? Fais attention! Oula! Deux d'affilée! Tu ne vas pas me croire, mais... Tiens! Tiens! Prends celui-là! J'espère qu'elle a gardé les tickets de caisse. Psst!
L'intello. C'est mon dernier stylo. Bon, d'accord. Mais attends une seconde. Ce jus de fruits pourrait m'aider. Peut-être qu'avec cette paille... Je sais quoi faire. Démonte un stylo, mets un peu de colle au bout du tube d'encre. Ensuite, prends une paille et passe le tube d'encre à l'intérieur jusqu'à la colle. Des stylos qui ressemblent à des pailles. Personne ne me les empruntera. Waouh, ils sont super cool! Je peux avoir un stylo? Ce sont des pailles, désolé. Bon, d'accord. Hé mec, t'as pas un stylo? Ouais, maintenant je peux travailler tranquillement. Le modèle du jour est... la licorne Poppit. Ouh! Le dernier qui termine est un gros nul! J'ai gagné! Oui, j'ai gagné! Na 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 na! Prête? Je n'ai jamais été aussi prête. Ça ne devrait pas poser de problème. Il faut que je gagne. Plus vite! Allez, vas-y! Je vais gagner les mains dans les poches. Prépare-toi à perdre. Ha! C'est ça, ouais! J'y suis prête! L'art véritable vient de... J'ai rien dit. Faut que je continue. Mes crayons, ils servent plus à rien. Ceux-là sont tous usés. Ceux-là aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? J'y suis presque. Allez, il faut que je gagne à tout prix. Il me faut d'autres crayons. Oh, il en est où, lui? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Je ne peux pas le laisser gagner. Mais je n'ai plus de crayons. Oh, elle n'a plus du tout de crayon. Je sens que je vais le regretter. Passe-moi ça. Il doit bien y avoir une solution. Mais je viens d'avoir une super idée. Prends une paille et mets le bout de crayon dedans. Fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, tu as un crayon pour écrire et pour dessiner. Je ne voudrais pas gagner si facilement. Hé, tiens, c'est pour toi. Des crayons? Ça veut dire que je peux finir mon dessin. Merci. Je t'en prie. Attends. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il faut que je me cache. Oh, j'ai trouvé. Wendy, reviens ici. Tu connais les règles, pas de nourriture en classe. Hein? Elle est là, je le sens. Cours autant que tu voudras, tu ne m'échapperas pas. Ou peut-être que si. On n'en restera pas là. Elle est partie? Je mérite un A en cachette. Ah oui, j'ai compris. Qu'il est intelligent et mignon en plus. Salut. C'est pour toi. Tu n'as qu'à m'appeler. Quoi? T'es sérieuse? Non, merci. Quoi? Oh, quelque chose ne va pas? Elle fait trop la belle avec son maquillage. C'est pas juste. T'es pas censée porter du maquillage. Je crois que j'ai toutes mes affaires. On ne va pas chômer aujourd'hui. Oh! Attention! Regarde un peu où tu vas. Tu as vu ce que tu as fait? J'ai pas fait exprès, désolée. Oh, les jeunes de nos jours. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas à moi. Mais maintenant, si... Limonade, bonbons, approchez! Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je peux avoir un bonbon, s'il vous plaît? Bien sûr, mais ils ne sont pas gratuits. Oh, oui, évidemment. Oh non! J'ai dû faire tomber mon billet. Oh, cette journée est de pire en pire. Pas d'argent, pas de bonbons, au revoir. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? J'ai besoin de me détendre. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu vas nettoyer tout ça. Maman ne va pas être contente si c'est tout sale. Attends, j'ai une idée. Ouais, je pense que ça peut marcher. Il faut que je t'emprunte ça. Je vais découper une empreinte de pas dans la mousse. Je vais alterner les couleurs. Et les empiler. Je colle chacune des couches. J'ai besoin de mon pistolet à colle. J'applique de la colle sur le dessus de la semelle. Je la recouvre complètement. J'attends que la colle sèche. Puis, je fais une entaille sur le côté de la semelle. J'ai retiré le morceau de mousse et j'y ai attaché une boîte. Ce sera parfait pour ranger mes sous. Comme ça, je ne risque plus de les perdre. Oh, te revoilà.
J'espère que t'as de quoi payer cette fois. Oui, cette fois, c'est bon. Attendez que je l'attrape. Oh, le vert, c'est ma couleur préférée. Tiens, ton bonbon. Il n'y a jamais trop de règles. Ces enfants doivent être disciplinés, surtout Mindy. Oh, bonjour. Ne t'approche pas. Tu me rends nerveuse. J'ai quelque chose pour vous. C'est pour me faire pardonner. J'espère que vous aimez les sucreries. Tenez. C'est pour moi? Vraiment? Tu n'es peut-être pas si impolie, finalement. Du coup, ça te dirait qu'on se voit après les cours? Salut, je suis de retour. Oups. Sympa tes chaussures, Mindy. C'est très coloré. C'est vrai qu'elles sont belles. En plus, elles ne servent pas seulement qu'à marcher. Regardez. Tout ce dont j'ai besoin se trouve là-dedans. Même mon gloss. On ne sait jamais quand on en aura besoin. C'est ma couleur préférée. Wow, très jolie, Mindy. Oh, c'est adorable. Je le pense. Tu fais quoi après les cours? On pourrait aller au ciné ou un truc comme ça. Ça me dit bien. Tu as mon numéro, pas vrai? Oh, j'ai eu un A à mon contrôle. J'y crois pas, c'est trop bien. Super, bien joué. Oh, si seulement j'avais la même note. Oh non, 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 pas de panique. Regarde, je peux y remédier. Regarde, je vais juste mettre un peu de colle au bout de ce tube. Et je vais appuyer sur ta mauvaise note avec. Et voilà. Comme ça, je peux retirer la note. Tada! La mauvaise note a disparu. Et maintenant, je peux t'en mettre une meilleure. Un A, trop bien. Merci beaucoup, t'es la meilleure. Oh, on ferait mieux de se remettre au travail. Ouais, tu as raison. Au travail. Quoi? C'est scandaleux! Elle a une mallette licorne. On va bien voir qui est le meilleur. Eh oui, j'ai une palette de couleurs géante. Je suis sûre qu'elle est archi jalouse. Ma peinture est bien aussi. Je peux me remaquiller les yeux au besoin. Et j'ai aussi des craies grasses griffes de Wolverine. Et tu trouves ça cool? Regarde mon nouveau rouge à lèvres. C'est tout ce que tu as? J'ai des tubes de gouache. Oh, je ne le supporte pas! Et bien évidemment, mes pinceaux. Pas cool, parce que moi aussi j'en ai. Eh oui, tout un attirail de pinceaux de maquillage. Oh, d'accord, on va dire qu'elle gagne pour les pinceaux. Attends un instant, je ne m'avoue pas encore vaincue parce que je viens d'avoir une idée de génie. Je vais prendre une feuille de feutre. Maintenant, il me faut une règle et une craie. Je vais dessiner une ligne en pointillé d'un centimètre chacun. Voilà, je fais une parallèle juste à côté et une autre ligne plus loin. Et maintenant, je découpe sur les pointillés. Comme ça, je peux y ranger mes crayons et mes pinceaux. Je les glisse à travers les ouvertures. Et ensuite, je peux les enrouler sur eux-mêmes. Une fois que c'est fait, je peux mettre un peu de colle chaude juste ici. Et j'y colle ce nœud qui est attaché à un élastique. Et voilà, c'est parfait. Tu devrais peut-être regarder ça. Comment il a fait? Comment tu oses rivaliser avec moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, un concours. Je vais annoncer le gagnant. Celui-là! Oh là là, incroyable! J'en ai toujours rêvé! Je n'y crois pas! C'est bon, j'ai tous mes téléphones. Attends une seconde. Non, 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 non! Elle récupère les téléphones de tout le monde! Je ne vais pas pouvoir entrer si je ne lui donne pas les miens! C'est bon, il faut juste que je les cache. Dans mes poches et où je peux. Allez, c'est bon, je suis prêt à entrer. Oh, attends, je ferai mieux d'en donner juste un pour qu'elle ne se double de rien. Tenez, madame, mon portable, je n'en ai pas besoin. Phew, c'est bon, je suis passée. Elle ne s'est doutée de rien. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un contrôle. Vous n'avez pas beaucoup de temps, alors au travail. Bon, je vais sortir mon premier téléphone. J'ai complètement oublié de le charger. Je vais prendre celui qui est dans ma casquette. Il va m'aider. Oh! Hein? C'était quoi ce bruit? Rien, je suppose. Phew, c'était moins une. Bon, maintenant, il faut que je récupère mon portable sans qu'elle ne remarque rien. Non! L'écran s'est éclaté en tombant! Bon, il faut juste que j'en prenne un autre. Celui dans ma capuche. Enfin, je vais pouvoir réussir ce contrôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis sûre qu'elle essaye de cacher un téléphone.
Je vais lui donner une leçon. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Oh! L'écran de ton téléphone brille. C'est pas vrai! C'est une blague! Tiens, je vois que tu as un téléphone. Tu te croyais malin. C'est bon, je dois avoir tous tes portables maintenant. C'est incroyable que tu en aies autant! Non, comment je vais faire maintenant? Attends, qu'est-ce qu'elle a là? Téléphone sous la table? Je suis carrément jaloux. Hé, c'est impressionnant! Oh, ça, c'était facile. Il suffit d'utiliser du scotch. Du scotch, tu es un génie! Non, le cours est déjà terminé.